Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai de très bonnes nouvelles à vous montrer, c'est parti! Alors tout d'abord c'est pour les bébés, alors voilà la mère, les bébés ils sont sortis du nid, du coup c'est parfait, voilà, je suis trop content. Voilà, là il y en a un qui est en train de se faire donner la béquée, je sais pas si vous voyez, là voilà il donne la béquée, c'est trop mignon, vous voyez un peu mal hein. Du coup là les trucs là voilà. Oh bon ben voilà. Bon j'allais dire là les deux qui sont là c'est les bébés. Voilà. Il y a un beau moineau de Japon ici. Alors j'essaie de m'approcher un peu plus. Du coup voilà, ils sont là. Alors maintenant concernant le deuxième nid. Du coup voilà, lui maintenant, il est vide, il n'y a plus rien. J'attends des nouveaux œufs. Et maintenant, pour ce nid-là, bon, on voit rien, hein, comme d'hab. Les plumes ont poussé, donc je suis trop content parce que il y a deux panachés et un marron clair. Voilà, je vous avais dit que la mère, c'était elle. Voilà, et ben ils m'ont sorti un marron clair encore. Et ben du coup je suis trop content, du coup je sais que je pourrais préserver cette couleur. Hein. Du coup quand elle sera morte, et ben je sais que j'en aurai un autre marron clair. Comme ça je pourrais la préserver, la couleur. Du coup je suis trop content. En plus, elle a des motifs que j'adore. En gros, voilà. Voilà, pardon, voilà. J'essaie de mieux vous le montrer. J'arrive pas à bien mettre la couleur. Alors attendez, parce qu'il y a le soleil, du coup on va aller comme ça. Alors. Voilà, lui, imaginez ça, mais en marron clair. Voilà, les ailes, imaginez comme ça, mais en marron clair. Et les deux symétriques. Du coup, je suis trop content, c'est une des bonnes nouvelles. Après, la meilleure nouvelle, voilà, c'est que les bébés sont sortis. Ça, c'est trop bien. Voilà. Alors, toutes les nouvelles que j'ai dans la volière. Bon, mais comme vous voyez, déjà, j'ai un peu coupé l'herbe. Hein, j'ai tout mis là. Comme ça, ça fait un petit peu de paille s'ils veulent faire des nids. Voilà, comme vous voyez, le marron clair, là. Il commence à vouloir faire un autre nid. Du coup, ça me sort encore un autre marron clair. Ça me va. Avec un autre mâle. Voilà. Il y a une extension qui est prévue de la volière. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc on se retrouve devant la volière, voilà, du coup là il y a la cage pour vous donner une petite idée, voilà, là il y a le nid de le marron clair, il y a l'arbre en plein milieu, voilà, on va passer comme ça, voilà, hop, on va derrière, voilà, du coup là, vous voyez, il y a de la tôle, on va derrière et du coup, une partie intérieure qui est prévue, du coup, en gros là, tout ça, là, tout le grillage, voilà, à partir de cette poutre, on devrait l'enlever. Voilà. On devrait l'enlever, ça ferait une entrée. Voilà, du coup, cette partie-là, hop, ça serait l'entrée. Là, ça, ce serait recouvert de grillage. Ça aussi, cette poutre-là. Là, on va prendre de la tôle, on va faire comme ça, jusqu'au grillage, là. Là, on va faire comme ça, et là, on va rejoindre ici. Du coup, ça fera une belle partie intérieure pour les petits oiseaux. Et j'espère que ça va leur plaire. Voilà. Non, mais là, vous voyez une palette, mais ça va pas servir pour la construction. Hein. C'est juste une palette qui est comme ça derrière. Bon, ben, on peut repasser au sujet de la vidéo. De toute façon, il est prévu de faire une vidéo sur l'extension. Je sais pas, hein, du coup. Alors, du coup, je vais vous raconter ça dans l'intérieur. Du coup, voilà. Là, ça serait l'entrée, tout ici, comme vous l'aurez compris. Ça, ce serait la partie grillagée, ça aussi. Et du coup, derrière, il y aura la partie intérieure. Et il n'y aura que ça qui sera ouvert. Comme ça, ce sera l'entrée, les oiseaux, ils pourront se percher là. Pardon. Ou alors, ils pourront se percher... ben là, je vais enlever la cage et du coup, la branche. Sinon, je pourrais pas y aller. Hein. Les oiseaux, ils pourront se percher ici, par exemple.
Voilà. Pourrait se percher là, faire comme ça, et aller derrière pour pouvoir aller dans la fameuse partie intérieure. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!